I maintain that truth is a pathless land and cannot be approached by any path whatsoever, by any religion, by any sect. La vérité est un pays sans chemin, que l'on ne peut atteindre par aucune route, quelle qu'elle soit, aucune religion, aucune secte. Le 2 août 1929, jour d'ouverture du camp de l'étoile annuel Domen, en Hollande, Krishnamurti, par ses paroles, dissout l'ordre de l'étoile en Orient devant 3000 membres, et Madame Besante et Monsieur Leadbeater. Tous dans le monde prennent ce discours comme un acte courageux, le refus du rôle qui lui a été donné depuis son enfance par les leaders de la société théosophique. En dissolvant l'ordre censé servir le Messie et Maitreya Bodhisattva, ainsi que toutes les organisations annexes, notamment celles ayant travaillé aux différents rites, Krishnamurti se retourne sagement contre les siens, avec courage puisqu'il le fait devant eux, et appelle à une spiritualité sans dogme, sans prophète, sans gourou, sans église. La véritable spiritualité qui se trouve en eux, selon Krishnamurti. Le Messie serait en chacun de nous. Coup de tonnerre donc au-dessus du ciel de la société théosophique. Nous parlons bien de celui qui écrivait 2 ans plus tôt, le 9 février 1927, à Monsieur Leadbeater ces mots. Je connais mon destin et mon travail. Je sais avec certitude et connaissance que je me mélange à la conscience de l'unique maître et qu'il me remplira complètement. Fin de citation. C'est toujours lui encore qui disait au début du mois d'août 1927, au camp Domen, « On m'a demandé ce que je veux dire par le bien-aimé. Je vais donner un sens, une explication que vous interpréterez à votre guise. Pour moi, c'est tout. C'est Sri Krishna, c'est le maître Kut Umi, c'est le seigneur Maitreya, c'est le Bouddha. Et pourtant, cela dépasse toutes ses formes. » Fin de citation. Alors j'avance l'idée qu'il ne s'agit pas d'un refus de son sort qui avait été décidé par d'autres, mais plutôt une acceptation tout en étant une déclaration d'indépendance. Si Krishnamurti se soulève en quelque sorte, c'est contre les prétentions apostoliques d'Arundale, qui a réfléchi à l'époque à une organisation d'apôtres brimant le Messie dans son rôle pour toujours. Madame Besante s'occupait de politique en Inde et faisait complètement confiance en Monsieur Arundale. Or Krishnamurti voyait l'étau se resserrer autour de lui. Il aurait le titre de Messie libérateur, tout en étant prisonnier de son ancien précepteur lors de ses jeunes années à Oxford. Le 27 novembre 1925, à Adyar, en Inde, Krishnamurti est initié à la co-franc-maçonnerie du droit humain contrôlée par les théosophistes. Un mois plus tard, il dira que l'instructeur mondial, je cite, « ne s'adresse qu'à ceux qui veulent, qui désirent longtemps. Je viens pour réformer et non démolir. Je viens pour construire et non détruire. » Fin de citation. Il s'agit là d'un discours totalement christique. À la fin du congrès, Madame Besant déclara la consécration définitive du véhicule choisi, la venue ayant commencé. Vraiment, en si peu de temps, un retournement va s'opérer. Krishnamurti va complètement changer d'avis. Et Madame Besant laissera ruiner tout cela devant ses yeux, puisque tout ça va se faire devant ses yeux. Bien sûr que non, il s'agit plutôt de l'avènement de Krishnamurti. C'est là que le tour de passe-passe fonctionne, puisque l'histoire retient seulement qu'il s'est séparé de la société théosophique à ce moment-là. Pourtant, il suffit d'observer 3 points particuliers pour infirmer cela. Le premier est que Krishnamurti continuera ses conférences sur le sujet jusqu'en 1933 dans le cadre de la société théosophique. Le second est que tout au long de la carrière qui suivra, Krishnamurti ne remettra jamais en cause, ni frontalement, ni indirectement, au contraire de ce qu'on a voulu nous faire penser, la société théosophique et ses membres. À l'inverse, il ne cessera de rendre hommage à ses influences. J'en veux pour exemple l'école créée en 1934 et gérée par la fondation Krishnamurti, auquel on a donné le nom de Rajgad Besant School à Benares, ou encore le Besant Hill School d'Ojai, en Californie. Et cela, bien sûr, en l'honneur d'Annie Besant. Ojai était devenu le quartier général de Krishnamurti après qu'il eut quitté pour longtemps l'Inde et Madras. Je pourrais continuer en citant les propos officiels de Krishnamurti envers sa tutrice, envers Leadbeater ou envers la société théosophique, qui ne laisse place à aucun doute.
À la fin de sa vie, d'ailleurs, il ne cessera d'errer entre Chennai et Bénarès, dans les différents lieux officiels de la Société théosophique, sous forme de pèlerinage jusqu'à la chambre de Madame Besante ou encore à la plage où il fut découvert par son mentor. Pourquoi il revient surtout sur ces lieux à la fin de sa vie? C'est parce qu'entre-temps, M. Arundale était devenu le directeur de la société, le président de la Société théosophique. Et qu'il y avait un contentieux entre les deux, il ne pouvait pas se permettre d'aller à la Société théosophique à Madras à ce moment-là. Il y est allé après. Troisièmement, il suffit de lire entièrement le compte-rendu de son fameux discours de 1929, dont on ne retient que cette phrase. La vérité est un pays sans chemin. Pourtant, dès l'expression de cette phrase, il va s'efforcer d'exprimer, de dire ce qu'est la vérité selon lui, concept qu'il portera tout au long de ses conférences spirituelles, tout au long de ses livres, agissant ainsi en gourou, tout en se refusant de l'être. Son mot d'ordre, et ce qu'il prêchera par la suite, est, je cite, « de fonder son caractère unique, lequel consiste en sa propre découverte de la vérité absolue et inconditionnée ». Fin de citation. Voici une position digne de ce qu'on appelle la néo-spiritualité de notre époque. Krishnamurti s'inscrit comme un des premiers coachs en développement spirituel et personnel. Et il ne se départit pas de sa mission, celui d'instructeur du monde. Voici ce qu'il affirme d'ailleurs, je cite. « J'ai une chose à faire dans le monde, et je vis m'y consacrer avec une détermination inébranlable. Je ne me préoccupe que d'une seule chose, essentielle, libérer l'homme. Je veux qu'il soit libre de toutes les cages, de toutes les peurs, et non pas libre de retrouver une nouvelle religion, une nouvelle secte, des nouvelles théories ou de nouvelles philosophies. » Fin de citation. C'est ce qu'il dit dans son discours domaine. Ce sont des propos qui plaisent encore à notre époque. Sortis de leur contexte, on ne se rend pas compte qu'il s'agit bien là de la mission du Maitreya de la société théosophique, celui de créer une religion universelle qui, dans un espèce de retournement bancal, est aussi propre à chacun. Krishnamurti accepte son rôle de Jésus-Messie tel qu'il était vu par Madame Besante, qui annonçait quelques mois plus tôt l'incarnation totalement réalisée en Krishnamurti, libérer l'homme de ses entraves. Il annonce se moquer de l'argent, ne pas vouloir de disciples, mais confirme son intention de prêcher dans le monde entier et dit ceci, je cite, « S'il n'y a que 5 personnes qui veulent écouter, qui veulent vivre le visage tourné vers l'éternité, ce sera assez. » Fin de citation. C'est ce qu'il dit dans son discours d'Omen. Et il se propose donc, lui-même, en tant que chemin vers l'éternité. Voilà un rôle qui est bien messianique. Je le cite ensuite encore. « Je n'ai qu'un but, libérer l'homme, le presser vers la liberté, l'aider à se dégager de toutes les limitations, car seul cela lui fera atteindre la béatitude éternelle, la réalisation du soi inconditionné. » Fin de citation. Nous sommes là bien face à un prophète qui se veut humble, mais qui a la solution pour atteindre la béatitude éternelle. Il dit encore dans son discours, entendez bien cela, pourquoi cela n'est pas retenu? Vraiment, c'est étrange. Il dit ceci, « Je suis la vérité absolue qui est éternelle. » Il va être encore plus clair un peu après, je le cite, « Mon dessein, je le répète, et de libérer les hommes sans condition, car je soutiens que la seule spiritualité est l'incorruptibilité du soi qui est éternelle. C'est l'harmonie entre la raison et l'amour. C'est la vérité absolue, c'est-à-dire lui-même. Inconditionnée, qui est la vie elle-même. Il est la vie. Je veux donc libérer l'homme, qu'il exulte comme l'oiseau dans le ciel clair, sans poids, sans attache, extatique de cette liberté. Et moi, pour qui vous avez tout préparé pendant 18 ans, je vous dis maintenant de vous libérer de toutes vos complications, de vos pesanteurs. » Fin de citation. Enfin, dans son discours, le but ultime est énoncé. Je le cite. « Mais ceux qui cherchent réellement à comprendre, à découvrir ce qui est éternel, ce qui n'a ni commencement ni fin, feront route ensemble avec une plus grande intensité et deviendront un danger pour tout ce qui n'est pas essentiel, les chimères, les ombres. Ils se concentreront, ils deviendront la flamme parce qu'ils auront tout compris. Voilà le groupe que nous devons créer et tel est mon but. » Fin de citation. Dès lors, donc, il prêchera ceci en ayant pour but de créer ce groupe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il se sépare de la direction de la société théosophique, complètement après la mort de Madame Besante en 1933, c'est par crainte de rester enchaîné à d'autres autorités.
Son propos, finalement, reste le même que celui de la société théosophique qui annonce dès l'initial que la vérité est la seule autorité. C'est la devise de la société théosophique. Et qu'aucun dogme ne peut être imposé comme autorité afin que la religion universelle promue par la société théosophique soit la seule valable. Krishnamurti ne fait donc qu'embrasser complètement son rôle. Encore une fois, il s'éloigne de la société théosophique, c'est pour raison politique finalement. Il craint son ancien précepteur, George S. Arundale, avec raison. Ce dernier étant en train de prendre le pouvoir petit à petit, l'amenant à prendre la direction de la société théosophique à la mort de Madame Besant. Krishnamurti va faire bien plus que s'approprier les buts de la société théosophique. Il va l'incarner complètement, personnellement, de manière christique, en être le corps, la chair et le sang. Il ne peut donc être un gourou qui transmet, tel qu'on les retrouve dans les doctrines hindoues pour lesquelles il n'a d'ailleurs lui-même que de l'animosité, comme pour les doctrines bouddhistes par ailleurs. Il ne peut pas être gourou parce qu'il est au-delà de ça. Il est la vérité absolue, tels sont ses termes. Ainsi, il ira de conférence en conférence, refusant ce rôle de gourou, mais jouant celui d'instructeur, instructeur du monde, instruisant les masses occidentales surtout, puisque son seul et unique public est occidental, et surtout américain, et surtout principalement californien. La société théosophique, et ceux qui continuèrent à promouvoir Krishnamurti, ont longtemps déclaré que ce dernier était adoré en Inde, et qu'à chacune de ses sorties, n'importe où sur le territoire, il créait la liesse. Ceci n'est qu'une propagande. Jamais cela n'est arrivé. La spiritualité laïque, pour reprendre les termes de Madame Nissen, et de l'anthroposophie, que professait Krishnamurti est bien trop éloigné des mentalités hindoues, mais bien plus adapté aux mentalités modernes occidentales. Il racontait aussi que Krishnamurti a rencontré Ramana Maharshi. C'est une légende fallacieuse, colportée par les pro-Krishnamurti. Il n'a jamais été fait état de cette rencontre. Lorsque l'on proposa à Maharshi la possibilité de rencontrer ce fameux instructeur du monde, comme cela nous est rapporté dans « Enseignements de Ramana Maharshi », livre publié en langue française par les éditions Albin Michel, Ramana Maharshi s'est tu, ce qui est une marque de désintérêt complet. C'est que les deux hommes sont à l'opposé. Maharshi explique à ceux qui viennent le voir que pour atteindre le Brahman, soit le sacré et l'absolu, il faut chercher la compagnie des saints hommes, suivre leurs traces, méditer et appliquer les textes sacrés des doctrines hindoues, appliquer le dharma, c'est-à-dire les rites, en suivant le chemin. Krishnamurti rejette tout cela. Pourtant, tous les deux posent la même question comme défi à leur auditeur. Et cette question est celle-ci. Qui suis-je? Qui est-je? Maharshi explique que ce « je », enfin il n'explique pas, il le fait comprendre, sous-entendre, que ce « je » n'est rien, rien qu'une goutte d'eau qui doit se fondre dans l'océan et être l'océan. Krishnamurti affirme l'inverse, il affirme que « je » est unique, qu'il doit se réaliser dans son intégralité et sa différence, s'émanciper pour s'accomplir. Deux approches qui différencient un homme qui est considéré comme un des sages de la tradition hindoue et un homme qui est un des premiers coachs occidentaux du XXe siècle. C'est pourquoi il attire tous les néo-spirituels actuels. Une spiritualité sans religion, sans dogme, sans autorité, sans relation de maître à disciple, sans élite, sans obligation. Tout en ayant un vernis de sagesse indienne. Dans le physique, dans l'accent, dans le rythme du discours, dans cette espèce de rapport évanescent au matériel, tout en prenant garde à l'apparence. Très coquet, Krishnamurti. Une approche quasi bouddhiste presque, mais n'ayant rien à voir avec le bouddhisme. Krishnamurti, à travers ses discours moralisateurs et simplistes, est toujours un modèle pour les coachs. Son aspect d'Indien lui donne un vernis d'authentique sagesse orientale, alors qu'il serait ridicule s'il disait les mêmes choses tout en étant belge, par exemple. Krishnamurti est le prédécesseur du pseudo-chaman Miguel Ruiz et de ses ridicules 4 accords Toltec, ou encore celui de Deepak Chopra. C'est aussi en cela qu'il attire les libertaires, d'ailleurs. Ce principe de ni dieu ni maître que certains dévoient spirituellement. Ne pas avoir d'autorité, être son propre maître, mais profiter tout de même d'un vernis de sagesse orientale, parce que ça fait plus crédible. Même si le contenu méditatif est aussi indigent que les maximes de Paolo Coelho.